Merci bien, Brigitte. Je suis M. Lionel Emmanuel. Je viens de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. À la Chambre de commerce, je suis directeur général adjoint en charge de tout ce qui est infrastructure et développement durable. Nous travaillons principalement sur les sources de financement de la Chambre de commerce. Mais nous travaillons aussi, et le colonel vient de voir un peu vu, sur le commerce transfrontalier, la promotion du commerce transfrontalier. J'entends là par tout ce qui a trait à la garantie du transit routier intérieur de marchandises, au tracking et tout ce qui donc a trait à la facilitation, notamment l'organisation des procédures et l'organisation. Nous sommes un partenaire essentiel au Burkina Faso. Avec laquelle nous travaillons depuis les années 50, qui nous a accordé un certain nombre de projets sur lesquels nous travaillons. Et avec la norme, nous avons fait beaucoup de projets ensemble, notamment dans les ports de transit, qui nous sont utilisés maintenant, aux frontières et à l'intérieur. Nous sommes impliqués notamment, au-delà de la garantie du transit, dans la gestion des magasins et l'événement, et la gestion des magasins et l'exploitation. Donc voilà un peu. Alors, l'objet de ma visite, c'est de voir avec vous, et au niveau de la Guinée du Sud, quel est le dispositif en matière de commerce transfrontalier, notamment pour le transit routier de terres de marchandises, qui est actuellement en cours de réforme au niveau de la CDAO. Et pourquoi ça? Parce que moi, je suis président de toutes les projets de la zone de la CDAO. Que les gens continuent à faire des choses.